Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite douceur très rapide à faire. La préparation vous demandera seulement 5 minutes. Ce sont des fondants au chocolat. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose en ingrédients et la cuisson est également très très rapide. Je vous donne le détail des ingrédients pour effectuer ces petits moelleux au chocolat. Donc il vous faudra 130 g de beurre fondu, 150 g de chocolat noir à faire fondre au micro-ondes, 3 œufs. Voilà, je casse mes 3 œufs en entier bien sûr, le jaune et le blanc, 100 g de sucre. On va mélanger les œufs avec le sucre. Ensuite, on va pouvoir ajouter le chocolat que j'ai fait fondre une minute au micro-ondes. On mélange tout ça, on va ajouter également le beurre, les 130 g de beurre qu'on a fait fondre au micro-ondes. On mélange à nouveau et on va ajouter le dernier ingrédient qui est la farine. Vous allez mettre 2 grosses cuillères à soupe de farine et la recette est déjà aboutie. Voilà, on n'a plus qu'à mélanger la farine, on va beurrer les moules individuels. Moi je mets un petit peu d'huile, comme ça mes gâteaux ne collent pas, je les sors très facilement. Une fois que vous les avez huilés, vous allez ajouter votre préparation et on va pouvoir enfourner ça très très peu de temps dans un four chauffé à 210 degrés pendant 10 minutes. Donc ça fait des fondants au chocolat, c'est-à-dire que le cœur est fondant. Par contre, si vous voulez des coulants au chocolat, c'est aussi très très bon. Il suffit d'adapter la cuisson. Ce sera vraiment 6 minutes au four à 210 degrés si vous voulez des coulants. Donc là, à 10 minutes, on a des fondants, moelleux ou fondants. J'irais même fondant parce que le cœur en fait du gâteau est un peu liquide. Voilà, j'espère que cette gourmandise vous plaira, que vous aurez envie de la refaire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de la partager avec vos proches. À très bientôt les amis.